Lucas. Alors le thème c'est la richesse, laisse-moi placer le contexte. Dédicace au SDF, ceux qu'on finit dans la street, plus temps de faire la fête. Il faut survivre dans la matrice, une égalité sociale qui profite toujours à l'élite, le haut de la pyramide. Du fond d'influence franc-maçonnique, luciférienne et satanique. La planète dans sa critique, chacun essaie de survivre comme il peut. Fonder une famille, tenter de faire au mieux et devenir vieux. C'est pas donné à tout le monde, la qualité de vie. Certains vivent dans l'hécatombe, pas seulement en Syrie. L'orage de la pauvreté gronde, s'abattant sur bien des pays inondés par la précarité. Dans ce monde à base de guerre et de conflits, en France on vit pas sous les bombes. La sécurité sociale nous permet d'accéder des traitements médicaux qui peuvent ta vie prolonger. Un avantage certain face à bien des peuples enlousés. Au steak pour accoucher, un enfant faut payer, être blindé ou alors s'endetter sur plusieurs années. Faire galérer une famille qui vient à peine de démarrer. Faire galérer une famille qui vient à peine de démarrer. Alors laisse-moi te parler de richesse spirituelle. L'intégrité et le respect peuvent provoquer des merveilles, mais trop souvent oubliées par l'humanité que rien ne freine. Omnibulé par l'avarice, s'enfonçant dans le blasphème. Le pouvoir capitaliste, la croissance infinie comme emblème pose problème, la nature n'a pas de sursis. La richesse de posséder un bout de terre pour cultiver, avoir un toit sur la tête en hiver, ne pas geler, pouvoir toucher le RSA, les prestations familiales. En Afrique certains crèvent de soif pendant qu'on chie dans l'eau potable. Je pense à ces enfants dans les décharges, sans avenir pour leur futur et n'est pas qu'une sale image, nos modes de vie sont condamnables. La richesse de savoir lire et écrire, avoir la possibilité de s'instruire, bien plus de chances de s'en sortir face à la cruauté de l'Empire. Faut garder la bonne ligne de mire. Freedom Fighter Records. Never give up. On a tous nos problèmes, mais on peut seulement changer. On a tous nos problèmes, nos propres réalités. Yeah. On a tous nos problèmes, mais on peut seulement changer. On a tous nos problèmes, nos propres réalités. Yeah.